Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Super Mario Bros. Wonder. On continue les mines fongiques. Et hors vidéo, j'ai fait l'arène de combat. Enfin, c'est hors vidéo. J'ai laissé mon game capture tourner et je les record. Mais du coup, je ne l'ai pas commenté. Je vous le mettrai au montage. En fait, c'est. Il vous demande 90 secondes pour avoir les 3 jetons. Et je l'ai fait avec Yoshi. Je crois que le Yoshi, c'est le perso un peu cheaté. C'est-à-dire que. Comme il peut gober les ennemis, il y a 4 phases, et sur la 4ème phase, c'est très facile de gober, c'est une phase dans des slimes, dans du slime. Donc pour moi c'était le perso le plus adapté. Je vous le mets au montage, et on se retrouve juste après. On est de retour. Du coup, vous avez vu comment réussir avec Yoshi pour avoir les 3 jetons. Et pareil, hors vidéo, j'ai fait le grappin là. Non, c'est pas là du coup. Le défi du grappin, c'était. Alors d'ailleurs, attendez, c'était où? Je sais plus. Non, c'était avant. Mais en fait, j'y suis arrivée avec Yoshi. J'avais galéré avec Peach, j'avais abandonné tout de suite. Je l'ai fait avec Yoshi, je suis arrivée. Je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas, j'avais... C'était pas si compliqué que ça. J'ai dû un peu m'en mêler les pinceaux avec... avec Peach. Donc je vais vous faire voir avec Yoshi. L'avantage de Yoshi, bah, comme il a toujours le... Bah, son planage habituel. En fait, c'était pas... Je sais pas, je crois que je me suis pris la tête avec Peach. Mais c'était pas si dur que ça, en fait. C'est juste... je sais pas, j'avais pas... Comment ? J'arrivais pas à switcher avec la gâchette, je crois. Enfin, je dis, c'est pas compliqué. Avec Peach, là, comment ? Là, Yoshi m'aide bien, quand même. Hein. Et du coup, quand... c'était marqué défi grappin... défi grappin 1. Donc, j'imagine qu'il y en a un deuxième. Et voilà. Bon, bah, Yoshi, il te permet quand même de... Du coup, j'avais... Hors vidéo, je suis allée chercher les jetons. Il te permet quand même, avec son saut, enfin son planage, ça te permet des fois de pas être hyper précis sur la liane, tu vois. Donc c'est avec lui, c'est ultra facile en fait. C'est même agréable quoi. C'est facile du coup avec lui.
Enfin, je l'avais fait hors vidéo, je l'ai pas filmé, mais c'était mince, bon, j'ai pas fait le parfait. C'était le, je sais pas, c'était le la gâchette, j'arrivais pas avec Peach. Donc voilà, je vous l'ai fait revoir. Mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir comment dans le monde ultime du jeu, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais on va devoir utiliser tous les badges, c'est sûr. Non, je veux pas. Par contre, je vais sauvegarder et on va reprendre Peach. On avait dévoilé un stage où c'était marqué à la rescousse des pots pleins. J'imagine que c'est le niveau final de ce monde-là. C'était... Et oui, voilà. Ils étaient... Non, faut que je retourne au niveau inférieur. Et au niveau du level design de la map, on a l'impression qu'il y a une... Il y a un truc un peu secret. Alors... Ah, par contre, qu'est-ce qu'il me dit, du coup, le pot plein, là? Vous avez trouvé la vraie sorte... Ah oui, non, mais d'accord. Il nous reparlait de... D'accord. Non. Peach, arrête. Là, en fait, le level design de la map, il y a des espèces de champignons rouges là-devant, et t'as l'impression que c'est un monde qui pourrait être secret. Enfin, je sais pas, c'est... La façon dont c'est designé, le premier plan, là, où il y a des champignons rouges, là, je sais pas, t'as l'impression que c'est un niveau caché, donc je sais pas. Donc, à la rescousse des pots pleins, j'imagine que c'est le niveau de fin, quoi. Oh là là. Alors... Et les gars, quoi. Ah! C'est la fourcancan, elle parle au pot plein. Oh, ça va être un truc de slime, yes, tout ce que j'aime. C'est faux. Ça va être un truc. Ça va être un. Alors attends. Ça va être vraiment un niveau genre en slime, tout le temps. Enfin, en gelée, quoi. Ça peut pas être aussi simple que ça, c'est pas possible. Surtout pas pour un niveau final, hein. Je sens le traquenard arriver. Ça peut... Non, c'est pas possible. C'est faux. C'est un traquenard. Oh, elle avance toute seule. Non, au niveau du level design, il y a des trucs encore après. C'est des faux. On est enfin libre. Attendez, je prends la capture au cas où ce soit la vraie fin. Nous voulions vous aider en trouvant une graine royale, Altesse, alors on a cherché partout. Et on l'a dégotée. Servez-vous-en pour nous débarrasser de ce malotru. J'en reviens pas, vous avez risqué votre vie en descendant dans ces mines juste pour m'aider. Non mais là, il y a un traquenard. Il va y avoir Bowser Junior qui va sortir de nulle part, là. Je leur suis tellement reconnaissant, prenons cette graine. C'est une blague? Ça se finit comme ça? Ah mais non! Mais je m'attendais tellement pas à ça! Ah mais remboursé! Non, non, non! Non, non, les pots pleins! Vraiment? Genre ça se finit comme ça, genre? Attends, je fais une capture! Mais je m'attendais tellement à un niveau entier, c'est une blague! Non, il y a un traquenard là! On va nous la voler! Allez les gars, on rentre! Mais il y a des blocs là-bas derrière! Non, 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 il va y avoir un coup de théâtre, là. Et c'est ainsi que nous réussir à sauver les intrépides mineurs des mines fongiques. Avec la cinquième graine royale entre leurs mains, il ne leur reste plus qu'une à trouver. La dernière graine royale serait dans les bassins de lave du volcan végétal. Bonne chance, Altesse, et à toi aussi, Peach. Ah. Il change le dialogue en fonction du perso, du coup, que vous avez pris. Le sort du royaume des fleurs et du monde dépend de vous. Dépêchez-vous de les délivrer du diabolique Bowser. C'était vraiment ça? C'était vraiment ça? Genre, allez, salut les pots pleins. Non, mais c'est une blague. Ah non. Ah oui, il y a le monde spécial, quoi. Félicitations. Ah non, vous avez trouvé toutes les graines prodiges des mines fongiques. Ah non, ça se finit comme ça? Ah mais c'est chaud, c'est bâclé! C'est comme les chutes dorées en fait. Il n'y a pas de... Comme il n'y a pas Bowser Junior, c'est genre, ah bah t'as trouvé la graine, ah bah salut. C'est bizarre, je trouve. Bah j'aurais préparé... Par exemple, j'aurais préféré qu'ils mettent par exemple un truc Luigi Mansion qu'on avait vu là. Le niveau, c'était un peu le manoir avec le roi Boo. J'aurais préféré qu'ils le mettent en dernier.
Et à la fin, tu sauves les Poplins dans le manoir. Ça aurait été plus intéressant. Là, c'est vraiment genre, tu utilises le slime pendant 10 secondes, là, et puis tu vas sauver les Poplins. C'est un peu bâclé, leur scénario, là. Je trouve que c'était pas... C'est trop facile. C'est comme dans les chutes dorées, c'était genre, ah bah tiens, le maître Poplin, il disait, ah bah tiens, tiens, voilà la graine, genre en mode, allez, vas-y, je te la file. C'est bizarre. Les îles forales, machin. Ouais, mais attends, on n'a pas débloqué le monde secret des mines fongiques, du coup. Donc ça veut dire qu'il... Est-ce que c'est comme dans les chutes dorées? Est-ce qu'il faut revenir aux mines fongiques pour débloquer le monde spécial du... du comment? Qui est relié aux mines fongiques, quoi. Ah oui, elle va enlever du coup un nuage de corruption à Bowser. Il n'y a même pas un dialogue là. Laura, ces Poplins dans la mine nous ont vraiment aidés. Mais ce n'est pas le moment de souffler. Dépêchons-nous d'aller trouver la prochaine graine royale. J'y retourne. Je pense qu'il y a un truc. Ça va faire comme les chutes dorées. Il va falloir retourner voir les mineurs. Les Poplins qui étaient dans la mine là. Et ils vont débloquer le monde secret. Déjà lui, il dit quoi? Déjà, il y avait un Poplin qui avait une espèce de hache là. Ah bah c'est pas lui. C'est lui ici. Merci, merci beaucoup, vous avez secouru le monde. Ce badge d'été... Non, oui. Où sont passés les autres? Ils sont retournés... Mais, ils sont retournés dans la mine? Je ne serai plus jamais seule. C'est une blague? Ils sont débiles ou quoi? Ils y sont retournés? Ah, faut retourner dans la mine alors. C'est comme les chutes dorées. Il faut les retourner voir le Poplin magicien là, un peu là. Bah là, c'est... Non, mais c'est sûr et certain, il y a un truc. Je retourne les voir. Par contre, ils sont un peu débiles. On les a enfermés, ils y sont retournés. Ou alors les niveaux, faut refaire les niveaux, peut-être. J'y retourne. Je veux voir. Franchement, c'était la même chose. Si c'est la même chose... Déjà, il y a le même dialogue, alors que normalement, si vraiment ils étaient sauvés, ils devraient pas être dans ce niveau. J'essaie de trouver une logique au truc, parce que c'est pas possible qu'ils aient designé un niveau pour que ça tienne 2 secondes, c'est pas possible. Et puis j'ai pas envie de me spoiler, franchement, si... Pourtant, non, on me dit qu'on a trouvé toutes les graines, mais on n'a pas débloqué le monde spécial. Ah non. C'est pas logique. Pas logique votre truc. Ah non, ils te bloquent l'accès même. Ah si, non, ils sont là du coup. Ils sont là. Ah voilà. Ah là, ils te mettent une flèche. Putain, j'ai bien fait d'y être. Non, mais j'étais sûre. Donc là, ils s'en vont. Youpi, on peut en sortir maintenant. On s'est dit qu'il devait y avoir plein de minerais ici, alors on revient donner un coup de pioche de temps en temps. Je prends une capture. Non, mais dites-moi que je rêve. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est dangereux d'avoir... Ah mais c'est exactement la même... Putain, j'ai bien fait d'y retourner. C'était sûr, tu débloques pas le monde spécial, donc... C'était... Non mais c'est Gogol, ils y sont retournés. Allez, maintenant, vous rentrez chez vous et au pas de course. Voilà. Je refais la capture, du coup. Là, on les a vraiment sauvés. Je peux comprendre leur passion pour les mines, mais là, ça en devient ridicule. Désolé, ça se reproduira plus, promis. Ah voilà, et là, c'est l'accès au monde secret. Là, on a débloqué le monde secret dans le ciel. Non, là, mais c'était cramé. Bah, c'est comme les chutes dorées. Là, c'est le monde... Voilà, c'est ça, c'était sûr. On y retourne. Je pense que là, si tu refais le monde, là, par exemple, t'es bloqué. Genre, quand t'obtiens la graine, le stage, il s'arrête. Parce qu'ils sont plus censés être dans la mine. Ok, donc c'est celui-là. Mine fongique plongée prolongée. Écoutez, on va le tenter. On va prendre Yoshi, par contre. Que là, on va pas attaquer le volcan tout de suite, donc... on le tente, et si c'est trop dur, je le ferai hors vidéo.
Je garde le chapeau. Oh, visuellement déjà c'est beau. Hein. Donc c'est vraiment c'est les ruines un peu, enfin les mines d'or quoi. Yes, bah ça commence. Super. On était censé. Je suis bien content d'après Yoshi. Ah oui non mais du coup là, on va se faire voir. Bon, donc avec Yoshi on est pété. En fait depuis le niveau en musique là, le monde spécial c'était. Je sais plus lequel c'était. Ah moi je pensais qu'on pouvait les gober. Ça m'a traumatisé le monde spécial avec la musique. Du coup maintenant je m'attends au pire. Alors déjà il y a de la lave de la mort qui tue là, donc ça va se déclencher. C'est avec une grosse boule de lave, je le sens. Ils sont où les jetons? Non mais déjà voilà, super le die and retry. La musique ça fait tellement pas Mario. Ah non j'ai cru que c'était un secret. Non c'est dégueulasse, ça c'est du die and retry. Voilà déjà le jeton. Ou leur face avec le jeton. À l'aide. Ah yes, bah c'est bon du coup on va pouvoir reprendre le jeton. On va reprendre le jeton. Non mais barre-toi. Voilà. Tiens, salut. Bon, ok, celui-là c'est bon. Bon, le poireau là, ça va, ouais. Avec Yoshi, j'y arrive pas, quoi. Après, c'est franchement, j'ai pas envie de jouer à Mario pour tryhard de fou, quoi. Si on nous donne la possibilité d'avoir Yoshi, je vais pas m'en passer, hein. En tout cas pour ces mondes-là. Hein. Barre-toi, toi! C'est où qu'il y avait la pièce? C'est là? Je sais plus. Ça y est, je sais déjà plus. J'ai pas de mémoire. Non, mais purée! Ah, mais c'est ça la vraie difficulté. C'est les boules de. C'était par là, je crois. Là. Les billes de feu, là. C'est ça, c'est du die and retry. Parce qu'en fait, elle te balance dans le. Là, le concept, c'est d'éviter les boules de feu, quoi. Oula, oula, oula. Oula, là, je sais même pas comment je l'ai eu. Ah bah oui, bah tiens, bah oui. Mais rendez le jeu encore plus pété. Je sais même pas où je suis. Attends, je me suis confondu avec le... Ah, on peut accélérer. Ah, mais prévenez. J'ai combien de... Non, c'est bon, je les ai toutes. Ah oui, mais c'est vrai que c'est on est en Fleur Wonder, là. Mais ça, c'est du die and retry. Mais putain. Pardon. Mais attends, ils ont abusé. Comment tu veux savoir qu'elle va faire ça? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas... Le die and retry dans les Mario, c'est non. C'est non. Bon, écoutez, maintenant qu'on est là, hein, on va le finir, ce niveau. Je suis bien contente d'après Yoshi. Quand je vois des gens sur YouTube qui font du 100%, genre en prenant zéro coup avec Mario, machin, genre c'est les vidéos un peu solution, quoi. Je me dis c'est pas possible, c'est pas, enfin c'est des gens qui font les vidéos uniquement quoi, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. Parce qu'il y a des trucs, franchement c'est tellement du die and retry, ce n'est pas possible de faire en one shot. Genre les jetons des fois c'est tellement aléatoire, c'est pas possible que tu les trouves comme ça. Mince. Bon je vous fais une ellipse, je vous fais une ellipse et je vous mets l'essai gagnant. Thank you.
Bon, bah, franchement, j'ai fait une ellipse, mais j'ai pas fait beaucoup d'essais. Enfin, j'ai pas raté trop de fois. Mais par contre, avec Yoshi, c'est. Heureusement que j'ai pris Yoshi. Hein. Parce que non, quoi. Enfin, mais même ça, mais même pour le drapeau de fin, s'il te plaît, quoi. Au moins, il est fini à 100%. Les mines fongiques, c'est fini. C'est un super monde, celui-là. Pour l'instant, c'est mon favori. Même avec la petite histoire avec les pots pleins là, qui se perdent dans la mine, c'était sympa. Ça, c'est du Die and Retry, celui-là. Ce monde spécial, c'est du Die and Retry. C'est à partir de la chute, là, en chute libre, là, avec la lave, c'est que du Die and Retry. Il faut apprendre l'emplacement des boules par cœur, quoi. Puis franchement, même le début, hein. Le début avec quand t'as tous les pics, là. Franchement, sans Yoshi, c'est chaud. Non, mais du coup, dans ma tête, ça faisait partie des mines fongiques. Non, pas du tout. Normalement, les mines fongiques, c'est... À part s'il y a des sorties secrètes, c'est fini, non? Oui, il y a le tampon en haut, donc non. J'ai tout trouvé. J'ai trouvé tous les niveaux des mines fongiques. Franchement, c'était pépite, ce monde. Finalement, bah celui-là, c'est basique, c'est un peu du tutoriel, quoi. La plaine, c'est un peu pour t'expliquer, en gros, les fleurs prodiges, etc. Le mont nébuleux, c'était quoi, finalement, ça? C'était de la glace, un peu. Celui-là, il était sympa, parce que c'est la première fois que tu découvres la forteresse, machin. Enfin, il y avait quand même des bons trucs, mais c'était pas... C'est vrai que quand tu les compares, après, les chutes dorées, moi, j'ai adoré l'ambiance. Mais... Pareil, quand tu découvres après le désert et quand tu découvres les mines, il paraît banal aujourd'hui. Enfin, maintenant, il paraît banal, je trouve. Le désert, j'ai adoré tout le gameplay. Le labyrinthe avec le Mario cosmique, l'ambiance un peu pharaon au désert, j'ai adoré. Et les mines fongiques, ouais. L'ambiance, vraiment, Luigi Mansion, notamment ce niveau-là, là. Vraiment, avec le roi Boo et tout, c'était vraiment incroyable. On sauvegarde. Oui, je sauvegarde et par contre, on va juste acheter. C'est quoi ça? Ah, ça m'a déjà débloqué le. On dirait le monde secret du volcan, ça. Ou c'est le monde secret des îles florales. Je pense. On va acheter un panneau, on a 521 jetons. On va en profiter. Je pense que je peux peut-être finir 2-3 personnages. J'en étais où? Épuisé. Ah, attendez, c'était lesquels où j'avais bien avancé? Je crois que c'est Luigi, j'avais quasiment fini Luigi. Ouais, Luigi, on va acheter Luigi et on va acheter le Toad jaune. Ça, on va finir. Alors, Luigi, c'est Luigi là, oui. On y va, on dépense. Je sais pas s'il se passait quelque chose si on faisait Luigi avec dans le monde manoir. Ah, la transformation boule de pique, on l'a pas encore eu. Et la transformation Goomba, je crois qu'on l'a pas encore eu. Hein. Dans le monde. Bah du coup c'est dans le monde du volcan, j'imagine. Le Toad jaune. Et après il me restera quoi? 251, je peux encore en acheter, mais bon. On va peut-être économiser parce que... Peut-être que dans le volcan, on va me demander des pièces violettes. En tout cas, le monde spécial là qu'on vient de faire, là, le monde spécial du monde fongique... Du monde fongique. Tu peux farmer les pièces, du coup. Parce que quand t'as la chute libre avec... Avec toutes les pièces, là, si tu le fais en boucle, t'en as... Tu peux les farmer, quoi. Donc, Mario, c'est fini. Luigi, c'est fini. Peach, c'est fini. Le Toad jaune, c'est fini. Le Yoshi, tous les Yoshi, c'est fini. Ouais, tous les Yoshi, c'est fini. Et Carotin, c'est fini. Il me restera Toadette, Toad bleu et Daisy. Ça en fera une prochaine fois. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain à 8h pour la suite. On ira continuer les îles florales et peut-être commencer le volcan. À demain 8h. Salut!